De ces réalisateurs qui sont obsédés par une quête impossible de rédemption, une quête qui passe par la mort, le besoin de reconnaissance et surtout l'idée même de mémoire. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est un auteur qui voit par l'objectif de sa caméra la possibilité pour l'homme de trouver une forme de bonheur au travers de ses péchés. John Hillcoat est un réalisateur d'origine australienne qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 31 ans. Il est un de ces rares auteurs à être rapidement rentré dans la légende urbaine du 7e art au travers de ses thématiques et de sa manière de concevoir le cinéma au travers d'une catharsis émotionnelle tellement brutale qu'on ne peut que s'attacher tout de suite à la justesse de son regard sur notre monde, sur notre prochain et surtout sur ce qui était ou sera. John Hillcoat est passionné par un humanisme profond, celui qui se dégage d'une rédemption, d'une remise en question ou d'une quête qui relie un homme à un passé ou un futur proche. Les personnages que peint ce réalisateur sont souvent des hommes qui sont perdus ou qui cherchent à revenir sur un chemin qui leur permettrait de comprendre leur place dans ce monde. Rarement un réalisateur n'aura réussi à saisir aussi facilement quelque chose aussi complexe que la remise en cause de l'homme au cœur d'un monde qui semble, seulement dans les apparences, lui ouvrir ses bras. Le cinéma de Hillcoat, c'est un cinéma ombrageux, un cinéma qui ne voit pas beaucoup de possibilités de survie pour l'homme dans sa situation actuelle. Si l'on regarde sa filmographie, Hillcoat ne voit finalement en l'homme qu'une autodestruction impossible à arrêter qui finira forcément par nous empêcher d'avancer et qui nous détruira. C'est ainsi que John Hillcoat construit ses films sur sa base narrative et dramatique, comme des purgatoires géants où l'homme ne fait finalement que passer. Si Sartre a dit un jour « l'enfer, ce sont les autres », John Hillcoat nous dit plus radicalement que l'enfer, nous sommes déjà en plein dedans et on n'est pas prêt d'en sortir. Ainsi, que ce soit face à la démence d'une prison et de ses détenus, à une quête impossible de vengeance familiale dans un monde où la mort jalonne des routes désolées ou dans une Amérique profonde réduite à de la liqueur et des flingues, aucune rédemption ne semble possible dans les mondes de Hillcoat. Et c'est pourtant au milieu de cela que Hillcoat dessine alors une forme de réconciliation avec l'homme, réduisant la mort à un champ de bataille que les protagonistes de ces longs métrages doivent essayer de fuir pour découvrir ainsi la vraie nature qui fait que nous devons, et nous avons même, le devoir de survivre. Hillcoat n'est finalement pas si noir que cela, et ses personnages sont même souvent l'origine d'une reconnaissance humaniste et salvatrice absolument magnifique. Peu importe les époques, les lieux ou même les quêtes de ces héros, les films de John Hillcoat nous racontent finalement bien plus qu'une simple histoire de rédemption. Il nous raconte l'histoire d'une reconnaissance humaine. C'est là que l'on comprend le cinéma de Hillcoat et que l'on réussit à cerner son but, en comprenant que rien n'est joué pour ses héros avant que ceux-ci n'aient réussi à comprendre et admettre que ce monde ne veut pas d'eux et que pourtant ils doivent y rester. En admettant cela, les personnages de Hillcoat ne deviennent plus simplement des êtres humains, ils deviennent des marginaux impériaux qui déambulent sur Terre, comme s'ils devaient affronter les enfers pour découvrir finalement ce que nous recherchons tous et que peu parviennent à découvrir, le sens d'une vie. Plonger dans la filmographie de John Hillcoat, c'est chercher la réponse à la question fondamentale d'un homme sur Terre, pourquoi suis-je là? En posant cette question, Hillcoat rend son cinéma universel et permet à ses thématiques d'exposer au grand jour, peu importe les genres et peu importe les formes.